Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot Bis. Aujourd'hui, on est le 13, le vendredi 13 au mois d'octobre 2023. Je suis dans toutes les émotions. J'ai appris le décès de ce monsieur, ce professeur à Arras. D'ailleurs, je devais aller au mois de septembre. Mais que ça s'est pas fait. En tout cas, je suis de tout cœur avec la famille et les victimes par rapport à ce cher monsieur, ce professeur qui est décédé aujourd'hui, vendredi 13 octobre 2023. À 3 jours de près, c'était l'anniversaire aussi du décès du professeur Paty qui est mort, lui, le 16 octobre 2020. Exactement, ça faisait 3 ans. C'est d'une tristesse, ça fait vraiment mal au cœur. Paix à son âme, voilà, qui nous aide de là-haut. Mais c'est une triste nouvelle d'avoir appris aujourd'hui le décès de ce professeur. Et en plus, je l'avais annoncé il y a 3 jours de ça. Vous savez, quand les nouvelles, elles arrivent et que, au niveau des cartes, des prédictions, malheureusement, ça se réalise. Ça me fait quand même quelque chose de. Ça me fait beaucoup, beaucoup de peine et beaucoup de tristesse. Je suis de tout cœur avec sa famille. Paix à son âme. Et justement, j'ai sorti les cartes pour voir qui est derrière tout ça, pourquoi c'est arrivé, si on peut avoir un petit peu des informations, les amis. Alors, je vais prendre un petit message de vos êtres chers. On prend juste un petit message, si c'est possible, pour ce soir, dans cette journée de deuil, le 13 octobre 2023. Voilà. C'est tragique, les amis. Vraiment, de tout cœur avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a été blessé. Et aussi, heureusement que, bon, ce lycée. Il n'y a pas eu au niveau des enfants, enfin, ils étaient quand même, c'est des adolescents, qu'il n'y a pas eu de plus de drame, mais c'est quand même très dramatique. Alors, un message de nos chers êtres disparus, qu'est-ce qu'ils nous conseillent pour cette soirée du 13 vendredi, vendredi 13? Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment, nous t'aidons, ils sont toujours derrière nous. Pour nous aider, il faut qu'on se focalise pour avancer, les amis, sur notre chemin de vie. D'accord? Voilà, il faut qu'on reste bien centré, bien ancré, et qu'on, voilà, nos désirs, s'ils doivent se réaliser, on doit rester, vraiment ouvert d'esprit et lâcher prise ici. C'est qu'est-ce que j'entends ici. Voilà. Et bien sûr, des choses vont se réaliser. Ok, un message très très fort qui vient du monde invisible. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, vendredi 13, cette attaque que malheureusement, je l'avais annoncée sur ma chaîne principale Agnès Tarot. Le titre, c'était Est-ce que la France va avoir des suites, hein, des récupérations, je ne sais plus comment on dit, enfin des problèmes. Et j'avais vu justement cette attaque au couteau. Qui est derrière tout ça? On veut savoir, les amis, qui est derrière cette attaque au couteau. Si les cartes, ils peuvent bien sûr nous répondre ce soir. Sinon, ce n'est pas grave, c'était juste. Voilà, vous faire une petite vidéo, être près de vous, hein, voilà, de partager un moment ensemble, parce que c'est vrai, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on traverse actuellement, mais on est fort qu'on est ensemble, les amis. Et il faut surtout pas tomber aussi dans des chemins répétitifs. On a ouvert les yeux actuellement, et depuis un petit moment. Alors, voyons voir qui est derrière cette attaque au couteau qui est arrivée à Arras. Une ville magnifique. Malheureusement, j'ai pas pu aller au mois de septembre. Mais voyons voir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, ça me parle des personnes qui viennent d'origine étrangère, hein, tout simplement, hein. Ici, on voit les autres horizons.
Mais attention, prudence, prudence sur les communications et les fausses informations qui pourraient arriver. On doit être prudent. Mais en tout cas, l'attaque viendrait de l'étranger, de l'extérieur. Mais les masques vont tomber. On va savoir quelque chose ici d'important. Hein? Alors, voyez, c'est très triste. Paix à son âme, à ce cher monsieur, à ce professeur, qu'il est mort en héros aujourd'hui. Sur ce vendredi 13, il a été directement au paradis. C'est comme ça qu'on dit dans mon pays. Et voilà, je répète les mots. Mais vraiment, je compatis la douleur de sa famille. Ici, on voit la pluie, la tristesse, les doutes. On voit ici les cimetières. Bien sûr, ça nous parle d'une personne qui est décédée. Malheureusement, voilà, c'est d'une tristesse immense ici. Hein. Alors, ça me parle, c'est une question d'argent et ça a été un sacrifice. Malheureusement, voilà, qu'est-ce que les cartes nous disent. Et Bélo, il vient à ce moment-là. Bougie noire pour la protection et pour son salut. Et là, chaque fois qu'il y a un décès, si vous avez remarqué, je mets toujours quelque chose de noir. Là, je suis habillée complètement en noir. Et Chris Sinclair, mon amie, elle a dit que quand on utilise la bougie noire ou les vêtements noirs, c'est signe de protection. Et d'ailleurs, elle aussi, elle avait dit dans ses vidéos, ah, vous pouvez les écouter, elle a été très très précise là-dessus. Elle avait dit qu'il y aurait des attaques, des soucis qui vont parvenir. Hein. Malheureusement, ça s'est réalisé, mais à qui profite le crime? Moi, ça me parle de sacrifice. Vendredi, sacrifice, cette grande tristesse. On voit ici beaucoup l'argent. L'argent, l'abondance, on lui a promis quelque chose, je ne sais pas. Alors ici, on voit les personnes qui ont été dans l'incapacité de se défendre. Vous voyez, ce monsieur, il a été attaqué par surprise. Voilà, après, ce n'est pas non plus un militaire ou un policier pour savoir les bons gestes, vous voyez. Mais ça me parle des personnes qui sont dans la dépendance. Enfin, comment vous expliquez ça? Il ne savait pas peut-être faire du karaté ou maîtriser l'individu qui lui a causé sa mort, vous voyez. Et voilà, c'est qu'est-ce que je vois ici. C'est hyper triste, les amis. Mais on voit ici qu'on a fait un sacrifice et que les masques vont tomber. Alors, qui est derrière cette attaque qui est arrivée aujourd'hui à Arras? Qui est derrière tout ça? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'indications, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et paix à son âme, à ce cher monsieur, ce cher professeur. De tout cœur avec lui. Cherchez la vérité, les amis. Mais ça viendrait de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi on voit l'extérieur ici, hein. Mais en tout cas, cherchez la vérité, les révélations des top secrets qui vont être faites ici. Hein. Des révélations très, très importantes. Ici, on a Julien Songe. On le salue très fortement. Ah, mon petit Bélo, qui fait qu'il rentre? Il sort. Ok, on voit ici qu'on doit absolument chercher la vérité. Il y a des choses qu'on nous cache. Et ça nous parle d'une alliance. L'amour, l'alliance. Ici, l'union entre nous tous. On veut nous diviser. Hein. Moi, j'entends ici diviser pour mieux régner. Prudence, ici, les masques vont tomber. On va le savoir assez rapidement ici qu'il y a... Voilà, c'est terrible. Hein. Moi, ça me fait toujours mal au cœur pour les victimes qui tombent. Voilà, et qui sont parties trop tôt ici. Hein. Mais ça nous parle d'une alliance qui arrive là. Et justement, parce qu'on va chercher la vérité. Un homme de cœur. Ce monsieur, ce professeur, c'était un homme de cœur. Il ne méritait pas de mourir. Mais si vous croyez au karma, si vous croyez au, vous savez, au contrat d'âme, hein, ce cher monsieur, moi, je crois énormément aux esprits, au monde invisible, que avant d'arriver sur notre planète Terre, tout est organisé, tout est planifié. On sait le jour de notre naissance, mais on sait aussi le jour du départ. Du décès, voyez, et il y a une mission qui a été derrière, il a été missionné, c'était un homme de cœur qui avait fait beaucoup de choses positives dans sa vie, et on voit ici sa famille complètement endeuillée
dans la tristesse, dans la douleur ici. C'était un homme aimant, un homme qui respectait sa famille et les autres et ses proches, bien sûr. Mais la vérité va exploser ici, mes amis. Hein. Parce que ça rapporte de l'argent et aussi ça fait les conflits avancer le plus vite au niveau des conflits. Si ça déclenche des guerres, vous voyez à qui profitent toutes ces... malheureusement, c'est triste, hein, mais voilà, à qui profitent toutes ces choses-là? On se demande bien ici, on voit ces hommes de pouvoir qui sont comme le dragon et qui veulent l'or, l'argent, et ici les autres qui contrôlent qu'est-ce qui est guerre et toutes ces choses-là. Ça active la haine, ça active la rage, vous voyez, et ça active les guerres ici, hein. On voit qu'il y a une autre personne qui est très gravement blessée ici. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va survivre? J'espère, hein? J'espère, mon Dieu. Il ne me dit pas plus ici. Hein? Ça me parle de changement. Il y a un changement au niveau de la météo, du climat, de la température, mais aussi comme s'il y a une tempête. Hein? La tempête arrive, les amis. Vous voyez, il peut y avoir une véritable tempête, hein? Mais ça peut être aussi... politique, diplomatique, et ça nous parle aussi du continent africain là. Mais en tout cas, le sacrifice et le corps médical qui s'en trouvaient impuissants, voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir aider la deuxième personne qui est dans un état très grave, mais ça déclenche, ah, vous voyez pas, ici, mince, attendez, est-ce que je peux, voilà, très bien, comme ça vous voyez mieux, excusez-moi, je ne voyais pas bien. Voilà, ça déclenche bien les guéguerres ici. Hein. Cherchez bien la vérité ici. Mais en tout cas, ce cher monsieur, c'était un homme de cœur, un homme qui est parti trop tôt. Ben, il a défendu les élèves. Hein. Ici, on voit, c'est des établissements. Quand on voit ici orphelins et l'EHPAD, c'est un établissement de jeunes élèves, un lycée qui a été attaqué. Et les enfants, les jeunes qui a essayé de sauver et d'aider ce cher professeur ici. Hein. Moi, je vois une femme ici. Je vois aussi une jeune fille. Une jeune fille. Qu'est-ce qui se passe avec cette jeune fille? Alors, par rapport à cette jeune fille, ça ne veut plus me répondre ici. D'accord. Ça me parle de Elon Musk aussi. Elon Musk, qui a actuellement des soucis aussi, des problèmes, on veut lui faire des manipulations là, ça sort. Et derrière, il a les gens, des personnes âgées qui sont des, enfin, qui lui veulent du mal, hein, qui veulent franchement l'éliminer du game. Hein. Ça sort, c'est pour voilà les énergies qui arrivent. Alors, je vais juste compléter un petit peu. On va voir. Dites-nous un peu plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Mais ça pourrait déclencher quand même des conflits terribles, hein, tout ça. C'est pour ça qu'on doit rester très, très prudent, les amis. Alors, conclusion, dites-nous un peu plus hein, par rapport à cette histoire qui vient d'arriver, cette tragédie. C'est une véritable tragédie, mes amis. Il n'y a pas de mots. Mais on ne tombe pas non plus dans les peurs, dans les angoisses, prudence. Hein. Mais on reste aussi vigilant. Waouh, on voit ici Donald G.T. ici, avec son magnifique bureau. Il se passe quelque chose ce week-end, les amis. Ce week-end, ça va être vraiment très important. Restons à l'affût des informations, peut-être sur Twitter, X ou je ne sais pas. Mais ça va tomber, ça va être très, très important ici. Des révélations choc, hein, vraiment très, très choc. Hein. C'est mondial, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent... absolument qu'on regarde ailleurs, les amis. Mais malheureusement, ça fait des victimes, encore une fois, je répète. Hein. Mais soyez à l'affût parce que ce week-end, il va se passer un événement important en lien avec DT ici et l'Alliance. Ange gardien, guide spirituel et les bougies. Voilà. Les anges sont venus l'accueillir, ce cher monsieur. Vous voyez, il est dans les bonnes mains. Moi, c'est qu'est-ce que j'entends ici. Mais c'est comme si c'était sa destinée. Son heure est arrivée et comme s'il n'y a pas eu de douleur. Je suis désolée, mais c'est qu'est-ce que je ressens ici.
ici avec une bougie, si vous pouvez allumer une bougie pour ce cher professeur qui est parti trop tôt, mais il était accompagné directement des anges gardiens et des guides spirituels, dans l'amour et dans la compassion. Mais les masques vont tomber et il y a une alliance ici aussi. Hein. La vérité va exploser, mes amis. Média, communication. Bon, ils vont beaucoup parler, les médias, mais c'était un homme bon, de toute façon. Il mérite. Quand c'est des hommes bons et qui sont partis dans des tragédies comme ça, c'est pas possible autrement. En tout cas, les médias, bien sûr, ils vont énormément parler de cette affaire qui vient d'arriver à Arras. C'est de cette tristesse et de ce décès. Ils vont communiquer beaucoup ici. Hein. Mais ça nous parle que, attention, il se prépare quelque chose de l'autre côté de l'océan. Ça me parle du côté États-Unis ici. Soyez à l'affût parce que ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est tout, qu'est-ce que je peux vous dire. Hein? Alors, au niveau des guerres, et regardez, assassin. Vous voyez, c'est on l'a payé. Je suis désolée, c'est qu'est-ce que je vois ici. Hein? Visiblement, le assassin a touché de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Ou un pouvoir, une richesse, quelque chose comme ça. Mais ça déclenche des conséquences dramatiques ici. Hein. On voit bien ici un assassin, une agression, un vagabondage, un cambriolage. Il avait des, un dossier bien rempli, ce jeune homme, vous voyez, qui a fait cet acte terrible aujourd'hui. C'était, oui, il était donc, ce qui est classé vagabond, cambriolage, agression. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Prison, arrestation, il va aller directement en prison. Hein? Prison, arrestation, mais bon, le mal, il est fait. Voilà, le mal, il est fait, mais en plus, on l'a payé. Moi, c'est qu'est-ce que je vois. Hein? Et ça me parle d'un retard et d'un blocage ici. La colère monte, les amis. La colère monte, mais ça me parle encore entre 3 et 6 mois. Voilà. Par rapport à une explosion de colère ou de volcan ou des conséquences un peu plus, voilà, un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est qu'est-ce que je vois. Ici, la colère monte, on voit ce volcan qui est en éruption, ça peut être la population. Mais heureusement que pour le moment, il y a un blocage. Tout peut arriver jusqu'à 3 à 6 mois et les choses vont changer de le côté positif. J'en suis persuadée. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi je vois une jeune fille. J'espère pas que cette jeune fille est dans le coup et qu'on va apprendre. Ou il y a deux solutions. Il y a deux messages. Par rapport à cette tragédie qui est arrivée aujourd'hui, je vois un complice ici. Ou c'est une jeune fille ou c'est un jeune homme. Hein, vous voyez? Bon, moi, tout à l'heure, j'ai cru comprendre que la personne qui a fait du mal, il était accompagné avec son frère. C'est fort possible. Mais ça peut nous parler encore d'un autre personnage ici qu'on va le savoir assez rapidement ici. Et ils vont prendre très très cher au niveau de la justice et prison. Alors, je vais compléter un petit peu avec le petit oracle de Etella. Mais soyez à l'affût au niveau des infos, des informations qui vont circuler ce week-end par rapport à de l'autre côté en États-Unis. Il se passe aussi des révélations qui vont arriver et qui vont changer. Il y aura des déblocages. Moi, je sens des déblocages. Voilà. Et par rapport au cher professeur qui est décédé tragiquement, il a été accompagné avec les anges gardiens, les guides spirituels. Voilà. Alors, conclusion. Dites-nous un peu plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette affaire qui vient d'arriver à Arras? Cette personne, cette agression, cet assassin. Dites-nous un peu plus. Ah, visiblement, il a été payé. Hein. L'énergie ici. Hein, voilà. Peut-être que cette personne, elle a été... elle a été droguée ou je ne sais pas, mais il y avait une colère noire en lui. Voilà, le Joker, il a utilisé la carte Joker ici, d'accord. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Là, c'est en ce moment, à ce moment-là, dans le présent, vous voyez. Peut-être que c'était programmé, mais que c'était le jour n'était peut-être pas défini,
définie. En tout cas, c'est arrivé précipitamment. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Que l'agresseur, il a monté en colère, en tension. Il se peut qu'il a utilisé des drogues, c'est possible. Ou des MK plus loin, ultra aussi. Et coup de joker, d'une rapidité folle ici. Il l'a fait en... Ça a été très rapide, quoi. C'est qu'est-ce qu'ils me disent, les cartes. Hein. Et aussi au niveau de sa tête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la protection. Protection, pourquoi? Papier, document, ok. Et la chance. Alors, les cartes, ils me disent que, heureusement, dans ce malheur, hein, ça aurait pu être plus grave. Hein, encore plus grave. Hein. Mais Dieu merci, il y a eu un coup de chance ici. Il y a eu quand même une forme de protection. Et voilà, il y a eu un choix. Je ne sais pas comment vous dire, c'est triste. Hein, mais ça aurait pu avoir plus de victimes, hein, les amis. Hein. Ça aurait pu vraiment, grâce à ce professeur, ce héros, ça s'est arrêté assez. Bon, il a quand même blessé deux autres personnes, quand même. Hein. Mais c'était le bouclier, quoi. Waouh, c'est très triste. Hein. C'est vraiment émouvant, les amis. Alors, trois dernières cartes pour terminer cette voyance. Qui est derrière tout ça? Mais qui est derrière tout ça? Alors, ici, on voit hein, la rivalité avec le chat noir. Waouh. Ici, c'est la rivalité, c'est l'ennemi. C'est quelque chose d'obscur. On ne l'a pas vu venir. Ça a été préparé quand même. Hein. Et en plus, on a le chat à l'envers ici. Hein. Moi, je vois ici rivalité. Rivalité, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il y a cette rivalité. Waouh. Regardez les masques qui viennent encore de sortir. Hein. Prudence, parce qu'on l'a eu tout à l'heure aussi. Hein. Il y a des mensonges ici, les amis. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Il y a des manipulations. Dissimulation ici, le masque. On dissimule quelque chose ici par rapport à une rivalité, par rapport à un projet d'arc ici, je dirais. Vous voyez? Mais en tout cas, on a dissimulé quelque chose. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chien et... Quelque chose qui a été superficiel ici. Comme si on lui a donné les clés, comme si on lui a donné quelque chose dans les mains, comme le couteau, ou je ne sais pas. Moi, je vois ici quand même qu'il y a une manipulation, mais que c'est ce jeune homme, comment on appelle ça, ce agresseur, ce assassinat, cette personne qui a commis un acte terrifiant, il a été aidé aussi par des personnes qu'il connaissait bien. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. En tout cas, on l'a aidé ici. Hein. Il y aura des complices qui vont tomber, d'accord? Mais tout est superficiel, les amis. Attention, on nous cache des choses. Hein. Je vais juste prendre une ou deux cartes avec cet oracle-là. Je veux juste voir. Juste trois cartes. Conclusion. Qui est derrière? Hein. Il y a des masques, les amis. Il y a des manipulations. N'oubliez pas ça. Qui est derrière tout ça? Dites-moi un peu plus là. Qui est derrière ces manipulations? La prudence, vigilance. Ça nous demandait de la vigilance ici, les amis. Hein. La méfiance, attention, attention. Qu'est-ce qu'on entend au niveau des infos qui vont arriver? Ça va passer au niveau de la littérature informatique, information. Vous voyez, c'est au niveau qu'est-ce qui est médiatique ici. On doit être fort et ancré. Parce que voilà, ils font tout pour que, vous voyez, il y a tout ça quoi, toutes ces conséquences. Incroyable. Alors l'ombre, les amis, vous voyez, qui se cache derrière, c'est l'ombre, les ténèbres, l'obscurité, la dissimulation. Waouh! C'est exactement la même chose. Vous voyez, les amis? Ici, à l'ombre, il y a des manipulations terribles. Derrière tout ça, c'est des hommes qui sont de la littérature, de la connaissance, dans l'information ici. Hein. Ici, ça nous parle de prévoyance, d'être vraiment vigilant et de bien ne pas tomber aussi dans ce côté obscur ici. Hein. Qu'est-ce qui est caché?
Une dernière, s'il vous plaît. Waouh, ça nous parle de mirage, de appât. Ça nous parle de appât, hein, de tromperie. Pour moi, c'est les serpents. On ne dit pas la vérité, c'est le contraire ici, hein. Prudence recommandée sur toutes les infos, mais en tout cas, c'est bien l'ombre qui se cache derrière tout ça. Qui est derrière tout ça? Dites-nous tout. Les masques, voyez le loup. Il y a un mouvement. Mais ça me parle quand même de l'eau, de l'étranger, du Nil, de l'extérieur aussi quand même. Hein. Il y a des personnes qui sont contentes aujourd'hui, c'est terrible, mais comment c'est possible, hein? Et que ça les met ophérique, hein? C'est des rituels sataniques tout ça. Hein? Et ça nous parle du loup qui rentre de la bergerie et que c'est le manipulateur, le tricheur. Hein? On a eu deux, trois fois les masques ici. On reste prudent, les amis, hein? Parce que l'ombre se cache derrière. Et c'est quand même des secrets qui vont être révélés. On va le savoir, hein? Bientôt, on va le savoir, les amis. Mais prudence sur les infos, hein. On termine avec une carte avec l'histoire des sorcières. Franchement, les trois oracles, ils sont répétés ici. C'est que les messages, voilà, ça doit être très important. Conclusion. Il faut qu'on soit quand même dans cette lâcher-prise, de penser un petit peu à nous, de s'occuper de notre intérieur. Bien sûr, de se faire quand même plaisir ce week-end, de penser à autre chose, parce que c'est pas évident. Voilà, il faut circuler les énergies, d'accord? Parce que l'ombre veut nous descendre au niveau des fréquences et ils veulent qu'on se rende tous malades. Mais ils n'y arriveront pas, les amis. Voyez, ici, il y a un changement, ici, il y a une fin de cycle, de toute façon. Ils sont à bois, ils n'arrivent plus à faire comment faire différemment, hein, voilà. Et ils organisent beaucoup de choses qui sont dans le côté du dark. Ne tombons pas dans leur piège, on a bien compris. Nous, on est bien ancrés, on s'occupe de notre famille, de nos animaux et on reste prudent, bien sûr, on fait attention. Je vous aime, mes amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez eu assez de réponses ici et voilà, de la compassion pour ce cher monsieur qui est parti très vite, hein, paix à son âme, à ce cher professeur. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et passez un très très bon week-end. Au revoir mes amis.